dans la région de Bosborun, pas très loin de Marmaris, on fait des bateaux. Voilà. Et nous sommes dans un terzané, c'est-à-dire un menuisier spécialiste des bateaux. Ici, notre menuisier, il s'appelle Jan, Monsieur Jan. On peut traduire par Jean, si on veut. Voilà, c'est un menuisier, un charpentier connu de la région et qui fabrique vos caïques, vos goélettes en bois, selon la tradition des pêcheurs d'éponges qui, avant que le tourisme se développe dans la région, allaient avec leur bateau en bois pêcher l'éponge. Voilà, là donc là on est dans un chantier tout à fait classique, comme il y en a quelques-uns dans cette région de Bosborun, pas très loin de Datcha non plus, une région avec énormément de criques, de petites baies, de plages sauvages. Voilà, on amène le bois brut, je me souviens avoir vu le menuisier aller directement chez les énormes entreprises de vente de bois, avant même que les arbres soient découpés avec les architectes. On choisit le bois, on le pique, on le pousse, on le fait rouler, et puis ensuite on le transporte jusqu'à l'atelier où on va fabriquer les bateaux. Voilà, c'était un petit passage par les menuisiers, les charpentiers qui travaillent évidemment sous la direction des architectes locaux et pas forcément locaux, des architectes du monde entier qui viennent avec leurs projets proposer de travailler, de construire leurs bateaux.